Ça va la compagnie, les gars? Déjà le lendemain, on est mardi. Attends, je suis en train de faire à manger. Hein. Hop, on retourne ça. Non, mais voilà, on est le lendemain. On a bien dormi, mitigé. Parce que j'ai fait un rêve. C'est un pote à moi, on jouait au nerf et il y a un moment il saute de l'annule. Du coup mitige. On n'a pas super bien apprécié quoi. Mais c'est pas l'essentiel hein. L'essentiel c'est aujourd'hui, c'est le présent hein, finalement. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai réussi à refaire marcher. Comment on appelle ça là? Le stylo Velleda. Alors le stylo Velleda, j'ai réussi à le refaire marcher. Et regardez, j'ai déjà mon petit plan de la journée. C'est ridicule. Tous les jours, on vous a dit comment ça s'appelle. Oui. Ma routine. Toujours, j'essaye un peu d'étudier, d'apprendre. Du coup, premier défi de la journée, étudier. Ouais, c'est bon, ça c'est pas très compliqué finalement. Je regarde une vidéo, je fais genre. Prochain, c'est continuer le montage parce que j'ai pas fini de faire le montage d'hier. Puis, je sais pas combien, à 4. 3h du matin. Non, 5h, pardon, excusez-moi, 5h du matin, mais horrible, horrible. Et la fin, c'est qu'on aille à la plage, mais je suis tout vert parce que il fait pas super beau. C'est un peu le point négatif. Il est pas super beau, je vais regarder la météo, mais je crois que ça s'adoucit. Bon, enfin, je l'espère, hein. Ouais, moi là, on voit la. Merde! Comment je fais? Vous lirez à l'envers. Et c'est parti, hein. Moi qui voulais faire un petit régime pour cet été, pas de Croatie, attention, un petit teasing. Peut-être un voyage qui se prépare. Et bah écoutez, j'aime trop la bouffe pour ça. Je pense que je vais me doser à la course, j'adore ça, moi, j'adore ça. On va essayer, mais par contre la bouffe c'est très compliqué pour moi. Hein. C'est très compliqué. Ta gueule, gros. Ouais, ça va, on mange pas comme une truie non plus. Bon, compliqué. Moi je prépare à bouffer, étudier en même temps bien sûr. Et je fasse le montage comme je vous ai dit. Trois choses essentielles à faire. Aller à la plage et remonter. Pouh. On monte pour avoir remonté. On va faire ça. On va se retrouver après les gars. Salut. Ta gueule gros, à force de vous parler gros. Meurs gros. Merde. Oh ta gueule. Non je vais me la bouffer, y'en a autre question que j'ai de ça. Non mais j'aime bien les noirs. Classique. Donc je précise tout de suite que cette vie n'arrive de toute façon pas, et ce n'est pas où était celle-ci. Mais je souhaite l'un des aspects de la pensée de Platon qui me semble être la métaphysique de Platon n'est pas simple d'accès ni de. Alors bien bon ce que j'ai fait, malgré que l'une des deux soit cramée à cause de vous. Ouais, c'est à cause de vous pour moi. Hop, petite télé, hop, mange tranquillement. J'ai chopé une maladie, t'es choqué du coup. Je suis choqué comment c'est noir. Et j'ai remarqué un truc dans les vidéos, c'est que j'ai toujours des manies. Bah, c'est un pote à moi que j'embrasse. Je t'embrasse. J'ai des mimiques de phrases, c'est horrible. Je vais constamment dire gros frère. T'as pas vu frère? T'as pas vu gros? T'as pas vu frère? T'as pas vu frère? T'as pas vu gros? T'as pas vu frère? Faut arrêter. Mais ça c'est quand je. Une fois je le remarque, j'arrête de le dire. Mais c'est quand je vais dehors ou je sais pas quoi. J'ai de la cape comme ça, je dis pas. Je suis un peu en pression de cette population. Par contre, c'est un gros. T'as vu, je l'ai redit. Oh là 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 là. C'est horrible. Qu'est-ce que mes collègues youtubeurs me proposent? Je découvre l'une des. Putain! Je découvre l'une des plus belles îles glaciales du monde, Inoktrip. Ce salopard, mec. 1,9 million! Et je le rattrape. Et mon collègue qui va sûrement voir la vidéo parce que Inoxtag est un très proche à moi. Ouais, je le connais bien. Et bah, je vais rattraper, je suis sur la bonne voie. Vlog océan, je suis à 120 vues déjà. C'est colossal, je vous remercie pour ça. Sur ma vidéo présentation qui a fait déchaîner l'espace commentaire. T'es choqué mon gars? Ça fait 50 vues, Inoxtag. Attention, en parlant pas du mix, hein. Miguel, Mich. C'est bientôt la fin pour toi, mon gars. La terreur est là. Mon concurrent officiel est là, jeune. Attention à toi, Mich. Tu vas regarder sa vidéo quand même, ça. Il est là, en 30 secondes. Il me met une pointe en 30 secondes, ce sec. Saloperie d'Inox. Allez, on va goûter. Ouais, du coup, c'est un œuf, maillot, chorizo. Ah non, mais il est là, Inox. Hein. Mais bah écoutez, c'est super. C'est top! Oh!
on a fini de manger. Est-ce que c'était bon? Je crois que l'avocat n'était plus mûr. En tout cas trop, j'ai l'impression. Et j'ai mal passé, elle a un sale goût. Hein. J'espère que quand je vais aller, quand on va aller à la plage là, ça va pas. Y a pas une petite envie de merde qui va se prolonger quoi. Ce que j'ai envie de te dire moi. On va se foutre le montage. Mais avant, je voulais faire un truc aussi que j'ai vu. On va aller sur. On va lire quelques commentaires, mais j'ai l'impression de déjà avoir la commu, mais complètement au top. Mais j'ai vu un méchant commentaire. Attention, 48 vues. Oh là 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 là. Je suis tellement célèbre. Ah voilà. Du coup, on a des beaux commentaires, mais il y a Axel Cholet, Mousse, qui nous dit juste que je suis un boss. Je le savais, merci. Il y a Amar qui dit très bonne vidéo. Ça sent le futur youtubeur à 1 million d'abonnés et je suis complètement d'accord avec lui, je comprends toujours pas pourquoi vous êtes pas 1 million. Ça commence à faire longtemps que je suis quand même sur la plateforme. J'aimerais être reconnaissant de... qu'on soit reconnaissant avec moi. Retenez ce nom. Zeb. C'est le futur du YouTube game, sans oublier Beacon et Mousse bien sûr. Ouais, bah, Pierre Fartier qui dit les choses et qui n'a pas peur de les dire et j'adore ce qu'il dit. Bah, Victor, j'ai dit dans la... C'est une commune juste monstrueuse. La loose, beau contenu, force à toi. Oh Lola. Lola qui est un régal, hein. Si vous avez faim un jour de viande ou je sais pas quoi, n'hésitez pas à aller à Buffalo. Ça va lui faire plaisir. On se retrouve sur l'autre vidéo. On a même un Hugo qui vient nous chercher sur un... Rarement été aussi hype par un créateur. C'est vrai que je crée des choses, hein. Il me tarde de voir la suite. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce génie sera à nous divertir. Oh, comment il me chèpe, ces salopards. Et bah, je tiens à remercier tout. C'est important de remercier sa communauté, j'ai envie de vous dire. Et je les remercie, car sans eux, je ne serais pas là. C'est beau ce que je dis. Ça a du sens ce que je dis. Ta gueule, gros mec. C'est comme je vous l'avais dit. Ah, celui-là, on n'aime pas. Je déteste cette personne. Je pense être son premier hater. Est-ce le début de la sévérité pour lui? L'enculé, je te vois derrière la cam. Comme je l'ai dit dans mon commentaire. Je t'attends. Viens. Tu ne me connais pas. Tu ne peux pas savoir qui je suis. Salopard. Je trouve que c'est assez avancé comme propos. Quand on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas la beauté de ce que je suis. Je vais sur ça. Merci à vous. Ouais les gars, j'espère que vous m'avez pas oublié. Parce que là j'ai pris du retard et pff, il m'arrivait mais des bêtises. Qu'est-ce qui m'arrivait les gars? J'étais sur mon PC bah, qui n'accepte plus trop ça, hein, j'ai l'impression qu'il n'accepte plus trop pas ma présence, mais mon montage, c'est très dur pour lui. Mais je le comprends. Et le mec, quand j'étais dans le truc de montage, il a complètement vrillé. Il m'a annulé toute ma timeline. C'est le mon projet, quoi. Le projet. Et du coup, j'avais les boules. Là, je me suis dit, faut tout remettre en question. Après, j'ai redémarré le PC. Il est revenu. Mais tant mieux. Dur. Mais là, du coup, j'ai pris du retard. Il doit être 19h, gars. Genre, ça fait longtemps que je suis dessus, les frères. Et là, faut que je cours avant que le coucher de soleil se couche, quoi. Parce que à la plage, on y va, mais c'est en courant. Et faut que je fous des plans et tout. En vrai, ça va, le soleil, là, il... Mais le temps qu'on se prépare, attention, regardez. Ouais, il est un peu vers là, tu vois. Il faut faire gaffe, là, tu vois. Non, ça va. Oh là là. Je crois que le bonheur s'offre à moi. Hein. Je ne vais pas lui refuser hein, quand je vois ça. Mais on se prépare très vite et après on revient avec vous hein, les gars. On revient, on se prépare. Parce que sinon on va louper tout le spectacle, hein, tout le spectacle de la nature. Et j'ai pas envie de ça moi, non. Bougez pas là. Merde, Shakira, putain, ta gueule. Les gars, bougez pas de là. La magie va opérer. Comment vous me trouvez? Ouais. Non, je déhète, c'est pas sûr. Ah, c'est mieux. Toujours les gars, ne doutez jamais du Barça. Club de cœur, gros. Tous les supporters du Real. Allez vous faire. On vous aime pas. Non, on vous aime pas. Franchement, je vais mettre un manche long quand même. Ouais, les frères, on est dehors. On a réussi à sortir. Vas-y, j'ai sorti le bandon de Jordan carrément, t'es choqué. On se part à la plage, hein. Bon, je vais pas tout filmer de ma jeune course. Mais dès que je suis à la plage, tu connais. Je vais faire quelques petits plans. What the dog doing?
sympathique. Mais en tout cas, un beau coucher de soleil nous attend, j'ai l'impression. Il faut que je fasse attention à pas trop dire frère ni gros. Comme ça, je traîne un peu. Déjà, là, on est sur du Marvin Gaye dans les oreilles. Rien de mieux. Oh, les pigeons, encaissez-vous, les frères. Oh, j'ai dit frère devant les pigeons. Ça commence déjà, gros. Gros, non. Bon, allez. Concentré sur notre course. 20-30 minutes. Arrivée plage. Chill peace. Monde me guette mal, gros. Monde me guette mal. Arrêtez de me guetter mal. Je suis un mec comme un autre. Je suis beau en plus. Oh là, j'ai trop le seum. Quand je passe dans la rue, je peux me faire remarquer, genre avec ma caméra. Y'a que des filles qui passent. Et là, y'a une meuf. Lesbéton. On la voit ou pas? Non, on voit pas. C'est mon type. Renoir. Incroyable. Spanish, Latina, ce que tu veux. J'adore. Oh putain! Faut arriver, frère. K.O. Ah, putain, je suis le puant originel. Oh là là, mec, déjà les plans, ils sont déjà fous. Faudrait que petit drone, hein, quand même, pour compléter tout ça, non? En plus, il y a des cages. La prochaine fois, je reviens, je tape un foot solo. Et s'il y a des jeunes, je vais leur dire, gros, s'ils veulent venir jouer avec moi, parce que bon... Flemme de jongler tout seul, normalement, j'ai quelques foot, là, mais il n'y a rien de prévu, là, en ce moment. Bon, allez, je vais profiter, moi, de cette plage. Ouais. Faudrait que ça passe le bac. Ça chill peace, frérot. Hein. Par contre, je sais pas si on va bien m'entendre. Hein. Mais non, moi, je me régale. Hein. Il manque juste une petite nana, histoire de me sucer les boules. Qu'est-ce qu'il fait, gros? Je l'ai pas invité, gros. Qu'est-ce qu'il fait, gros? Oh, le salaud, il m'imite à courir. Rien de mieux que la mer. Je suis solo. Ah, et le figurant aussi, là. J'avoue qu'il est là, lui aussi, ce salopard. Cette saloperie. Mais on est là, tu connais. Allez, on va toucher l'eau, moi. On va pas se baigner quand même, mais on va toucher l'eau. J'ai juré les bonnes. J'ai dit rien de mieux que la solitude, mais bon, ne disons pas ça. Ça, il manque quoi là? Une jeune petite méditation et une meuf qui lèche les bouts. Bien sûr, mais. Et là, c'est parfait. Il n'y a personne pour nous emmerder. Je parle de méditation parce que, attention les gars, moi j'ai un grand guide spirituel maintenant. Faudrait que je vous fasse une vidéo dessus, mec, ça peut être super. Qu'est-ce qu'on peut rire, les gars. Oh, la goudou, on dirait une goudou, gars. Que dire de plus, on va profiter de cet océan. Et on va vous laisser, hein, parce que bon, je suis un grand travailleur. Hein. Tous ceux qui disent que je suis un flébard, faites attention à eux, c'est souvent des menteurs. Hein. Bon, les gars, bye. You look lonely. You look like a good.